for a number of years. Aujourd'hui, à l'initiative de la Commission internationale catholique des migrations, dans le cadre d'un accueil de la ville de Lyon, Forum Réfugiés a réuni quelques acteurs pour évoquer la situation des réfugiés réinstallés, ceux qui ont déjà trouvé un premier pays d'accueil, mais dans des conditions très précaires, et pour lesquels le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés cherche un pays d'accueil durable. Alors, les besoins globaux, 15 200 000 réfugiés à travers le monde. Nous aimerions au HCR que 800 000 d'entre eux puissent bénéficier de la réinstallation. Aujourd'hui, nous avons 80 000 places qui nous sont données par les États. Et l'an dernier, 84 000 personnes ont pu bénéficier de la réinstallation dans 22 pays. Donc vous voyez que le chemin est énorme à parcourir pour que la réinstallation puisse répondre aux besoins de 800 000 personnes à travers le monde. Il faut toujours se rappeler qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui est arrivé jusqu'à nous au péril de sa vie. Voilà. On ne quitte pas son pays pour chercher une protection par plaisir ou par convenance. On le fait dans des conditions terribles. On le fait parfois en laissant des morts derrière soi. En face, il y a des régions du monde qui sont en face des régions en guerre, qui ont cette possibilité d'offrir un oasis, un moment déjà pour que les gens se reconstruisent et puis ensuite dans la durée pour qu'ils refassent leur vie. On est au cœur du redémarrage de la vie de personnes qui ont énormément souffert, qui ont été persécutées, et c'est à travers le logement puis l'emploi que les personnes pourront trouver leur place dans la société. On a accueilli par exemple il y a 3 ans des réfugiés palestiniens. Certains n'avaient vécu toute leur vie que dans des camps. Donc le logement, c'est pour la première fois un chez-soi. Il y a des gens qui parlent à peine français et vous disent « ça y est, la France c'est mon pays » parce que pour la première fois. Et ça passe par une maison à logement. Et aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est la journée mondiale du réfugié, le 20 juin, chaque année, sous les auspices du HCR. Donc évidemment, c'est l'occasion rêvée pour que les projecteurs s'arrêtent un moment sur la question des réfugiés.